La mission sur l'église. La deuxième partie,
La mission sur l'église, c'est quand on parle de l'équipement, on va équiper l'église. C'est qui va équiper l'église. Alléluia. Amen. Je sais dire, allez faire des nations des disciples. Allez faire des nations des disciples. Donc, allez faire des nations de ceux-là qui vont me suivre. Enseigne tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc, tout ce que le Seigneur a prescrit, nous devons vous enseigner cela. Pour que vous soyez mature, vous atteignez la maturité comme nous, et que vous engendrez aussi vos disciples. Alléluia. Chaque personne doit prendre des disciples. C'est ça le fruit que nous allons porter. Il dit, il faut que votre fruit demeure. Donc, vos fruits doivent demeurer. C'est pourquoi vous avez besoin forcément de l'équipement spirituel. Alléluia. On parle de la formation. Donc, pendant ce moment où nous sommes à Libreville, nous allons organiser un séminaire de formation à tous les niveaux dans l'église. Tous les niveaux seront touchés par le séminaire. Les serviteurs, les ouvriers, les chants, les intercesseuses, tous ceux qui travaillent dans l'église d'autre part, pour leur apprendre comment servir le Seigneur. C'est très important. Beaucoup servent le Seigneur, c'est vrai, avec un bon cœur, mais c'est pas comme ça. Alléluia. Le Seigneur, bon, il prend ça comme ça. C'est comme un bébé à qui vous commandez de l'eau. Avant d'amener l'eau, il pêche le pâte. Il vous amène un peu, mais c'est pas grave. Vous prenez ça comme ça, oui ou non? Donc, parfois, c'est comme ça le Seigneur prend certaines personnes qui le servent. Bon, c'est pas grave, c'est un bébé. Moi, c'est comme ça. Mais est-ce qu'elle sait que va donner un bébé pour toujours? Non. À un moment donné, fais attention. Oh, c'était attention. Vous voyez? Donc, le Seigneur va nous donner quelques rudiments pour être solide. Amen. Et vous aussi, quand on va partir, vous allez faire la même chose. Partout où vous allez vous rassembler, vous former des disciples. Alléluia. Vous les suivez. Eux-mêmes, quand ils vont grandir aussi, ils vont en faire d'autres disciples. Et le troupeau va grandir, le roi va grandir. Amen. Donc, voilà ce qui concerne les préviens. Maintenant, nous allons aussi faire un saut sur Port-Gentil. Port-Gentil aussi, comme vous aussi, vous avez reçu le feu. Eux, ils espéraient le feu depuis plus de 2 ans. Amen. Il y a beaucoup d'âmes là-bas qui attendent aussi se réunir comme vous aussi, prêcher l'évangile dans la rue, annoncer le retour de Jésus. Donc, on ira aussi là-bas pour réveiller les peuples de Port-Gentil en les plantant l'église du Seigneur dans la vérité et dans la sainte doctrine. Donc, on aura aussi la mission, on va terminer là-bas, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, du 10 au 15 mai. Et on va revenir maintenant sur le premier, pour faire le dernier culte, qui est le culte de remerciement, le culte de consécration. Amen. Le Seigneur va équiper l'église encore de nouveaux serviteurs, de nouveaux ouvriers, on va mettre de l'ordre dans beaucoup de choses dans l'église. Amen. Il y a déjà de l'ordre, mais on va renforcer cela. Amen. On va confirmer certaines choses dans l'église ou on va nettoyer certaines choses de l'église. Maintenant, vous qui êtes là, c'est vrai, tout le monde est censé être là ce soir. Et à cause du temps, le climat, la pluie, les occupations des uns des autres aussi, peut-être certains n'ont pas eu à temps d'être informés. Je crois. Hein. Donc, votre devoir, c'est d'informer pour dire que oui, les choses ont commencé. Les choses ont commencé déjà. Donc, le programme, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, démarre à partir de demain officiellement, en fait. Amen. Nous allons démarrer le programme de réveil sur l'église à partir de demain. Et nous allons engager un moment de jeûne. Alléluia. Nous allons faire dans le jeûne. Et quand on parle de jeûne, vous devez savoir ce que ça mérite, mais ce que ça implique. Ce que le jeûne implique, c'est très important. C'est le moment où nous devons détacher les cœurs. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien de venir avec un cœur noir pour chercher la lumière, c'est pas possible. Alléluia. Ça ne sert à rien de venir chercher l'amour de Jésus pour écouter la même dans ton. Amen. Ça ne sert à rien de dire je t'aime alors que tu es hypocrite. Ça ne sert à rien. Donc, nous allons prendre ce moment pour nous réexaminer, pour nous réconcilier. C'est le moment où nous devons nous réconcilier en fait. Alléluia. Donc, nous devons communiquer tout cela que vous avez blessé en temps. Tout ça à qui vous avez mal parlé, tous ceux qui sont partis, ils ont blessé. C'est le moment de les appeler. Ah mon frère, vraiment le Seigneur, le Fils, fait un travail dans ma vie. Je me rends compte que j'ai mal agi contre toi. Je me suis rendu compte que je devais te pardonner. Je me suis rendu compte que j'étais mal pris ceci. Je t'ai dit des choses. Peut-être à cause de ça, tu es parti. Ou à cause de ça, je suis parti. Tout ça. Amen. Tout doit être fait dans la vérité. Il faut que vous soyez convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, vous le faites là, vous serez encore maudit. C'est ça en fait. Parce que le Seigneur veut que tout se passe pas
conviction du cœur, n'est-ce pas? La Bible dit que tout ce qui ne relève pas du fruit de la conviction est quoi? Péché. Un péché entraîne quoi? La mort. C'est comme ça. Donc, les gens sont malades, les gens sont en dépénie à cause des choses qui sont dans le cœur. Si on vous montre le diable c'est du cœur chrétien, là, vous pensez que païen est mieux que chrétien. Tu vous dis la vérité, païen est mieux que chrétien. Païen, quand on dit sort, enlève, mèche. Pour elle, c'est mèche qui est sur sa tête. Son cœur est bon. Mais ton cœur est noir. Ton cœur est dur. Ton cœur a des épines dedans. Il n'y a pas la mèche dans la tête, mais ton cœur est mauvais. Et toi, tu as déjà le parler des mèches. Tu n'as pas travaillé ton cœur. La Bible dit quoi? Hypocrite, enlève. Tout ce qui est dans ton œil. Comme nous faisons. Enfer. Mérite, enfer. Cœur-moi d'abord enfer. Le cœur-moi est déjà en enfer. Donc toi, tu prêches depuis l'enfer. Voilà Jésus. Donc, nous vous prions réellement de vous investir. Nous sommes là. Le Seigneur est présent, effectivement, il est présent. Peut-être que vous le sentez, vous ne le voyez pas comme vous devez le voir. Ça dépend du état de votre cœur. Amen. Si le Seigneur est présent, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, il est ouvert à tout le monde. Donc nous aurons des moments d'entretien. Alléluia, d'entretien avec ceux-là qui ont des situations. Vous qui avez des problèmes, des confessions, des choses graves, des crimes, ce qu'on appelle les crimes qui conduisent à des soucis spirituels. Parce qu'il y a des gens qui ont commis des actes. Mais pas lui qui sont demandés par mon Seigneur, ils sentent toujours le poids dans le cœur. C'est-à-dire qu'ils voient, c'est qu'ils ont toujours peur. C'est pas que le suffit. Alléluia. Ils ont besoin de confesser et qu'on prie pour eux. C'est très important. Pour recevoir la guérison du cœur, la guérison de l'âme. Votre âme doit être guéri, doit être en paix, votre âme doit prospérer tel que le Seigneur désire. La prospérité dans les hommes, dans le monde, c'est pas prospérité de la chair, mais c'est la prospérité de l'âme. La prospérité n'est pas anti-biblique. Hein. Alléluia! La propriété vient de Dieu, mais la propriété de Dieu passe la propriété de l'âme, la prospérité de l'âme. L'âme doit prospérer. C'est pas du fortifier les mains languissantes. Consoler nos peuples. C'est le message du Seigneur. Jésus est venu donner la prospérité à l'âme. Ceux qui sont malades, il les guérit, c'est la prospérité de l'âme. Ceux qui sont poussés par les démons, il les libère, ils sont libérés, les âmes prospèrent. C'est ça, la paix du cœur que le Seigneur veut donner. Ce n'est pas la prospérité, avoir une maison, avoir une voiture, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la terre, ça. Et tout ce qui vient de la terre va périr comme la terre aussi périra. Et vanité, vanité, vanité. Amen. Donc, le programme, comme je vous l'ai dit, ça va se passer dans un moment de jeûne. Jeûne afro. Alléluia. Amen. Vous savez que le jeûne afro est meilleur que le jeûne poussé. Quand je jeûne afro, moi j'ai toujours fait l'expérience. J'ai vu que le jeûne afro est mille fois mieux que le jeûne poussé. Même pour vous-même. Parce que le jeûne afro vous donne plus d'énergie que le jeûne simple. C'est ce que beaucoup le savent. C'est ce que beaucoup le savent. Quelqu'un va dire, est-ce que c'est bon de manger de la nourriture? C'est bon quand même. Faut-il manger de tout. Moi, je pense au nom de Dieu, jusqu'au retour de Jésus. Tu seras encore bon aussi. Il y a quelqu'un qui va dire, encore que tu vas même faire des prières pour ça. Alléluia. Donc, on allons prendre le nom du jeûne afro. D'accord. La rupture, on va faire ça à 17h parce qu'on va se lever à 18h. À 17h. Et je vous prie bien pendant ce moment-là. Ça va commencer après du mercredi, jeudi et vendredi. Amen. On rentre à 17h tous les jours. D'accord? Le vendredi, c'est la veillée qui commence après 22h. Parce que, en fait, on avait prévu ça plus tôt. Déjà après 18h. Jusqu'à l'heure, mais il y avait un problème de couvre-feu. J'avais oublié. Amen. Mais nous aussi, on va mettre couvre-feu sur l'église du Gabon. Amen. Tout sorcier qui va passer dans ce réseau sera crié par le feu. C'est ça le couvre-feu, même. On dit, on ne sort pas de ce là à 5h. Ok, nous aussi, on va dire,
so c'est non pas ici de la terre. C'est tout. Donc c'est encore le programme que vous ferez, d'accord. Nous allons gagner tout le monde. Donc nous allons venir avec deux heures. On va venir avec deux heures jusqu'à nous. Là on finit. Ceux qui doivent être baptisés iront baptême. Et le dimanche, nous viendrons encore pour le culte de communion avec le Seigneur. Alléluia, et le baptême du feu. Le culte de la plénitude du Saint-Esprit. C'est là, si vous avez bien fait le geste, là, vous serez récompensé. Là, on sera dit, ah, le Seigneur t'a visité. Tout ce monde, le Seigneur, c'est quoi, c'est que votre vie a changé. Votre façon d'être a changé. C'est ça. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Qu'on ne peut pas déplacer les choses, qu'on a mal placé les choses, qu'on a installé mal. C'est comme le technicien qui entre dans un laboratoire qui voit que, amen, ce bruit ne doit pas être ici, il fait les bonnes combinaisons. C'est ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Alléluia. Et chacun va désirer le Saint-Esprit. Nous devons le désirer fortement. Amen. Donc, nous sommes là aussi ce soir pour échanger un peu avec vous. Je sais que l'Église, les fatigues qu'on a laissées avant de quitter il y a 2 ans, ça, quand on était à Bizangorai, Bizangorai, on allait sur la montagne, la haute montagne, on montait en quantité pour aller sur la montagne pour aller faire le culte. Ceux qu'on avait mobilisés étaient nombreux. Alléluia, nous avons établi beaucoup de serviteurs. On a établi des évangélistes, des apôtres, voilà, et des souffliers. Mais aujourd'hui, ben, ils sont tous partis. Ce que les gens oublient, c'est qu'ils ne savent pas que, en réalité, nous sommes le Père. Ils oublient. C'est ça le problème, en fait. Un enfant qui relie son Père, il va dire, papa, tu n'es pas mon Père. Ok, il faut partir. Vas-y. Si tu veux être heureux, si tu vas plus longtemps, il faut partir. Alléluia. Même si papa, ton papa boit sur la terre, boit alcool. Et quand il parle, il fait comme ça, il fait comme ça sur la voie. S'il fait comme ça sur la voie, si c'est l'église dans le jambon, il faut partir voir. Vous savez, c'est dangereux. Quand le Seigneur dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux sur la terre longtemps, c'est très important. C'est la seule même comme loi qui a sauvé pour obéissance directe. Beaucoup sont partis, beaucoup se sont répénés. C'est nous qui ne ferons jamais. Vous venez de nos entrailles. Vous êtes nos fruits. Alléluia. Mais nous comprenons que ce n'est pas eux. C'est l'esprit qui travaille. C'est pourquoi il dit que ne donnez pas l'avantage au diable. Parce que vous n'ignorez pas ce qui c'est. Jésus a dit, il vient pour voler, détruire et égorger. Il détruit tout ce qui est pour détruire, casse, tue. C'est ça son rôle. Et ils ont pris la voie de l'égarement. J'appelle ça la voie de l'égarement. Ils ont été baptisés. On les a baptisés. On les a remplis du Saint-Esprit. On les a établis. Et vous vous révélez pour ceux qui vous établissent. Pour les baptisés. C'est le problème. Non, on ne fait pas ça. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. C'est pour moi que même si vos parents sont des sorcières, vous n'avez pas le droit de les rejeter. Vous savez ça? Vous devez les honorer. Ils méritent l'honneur qu'ils veulent. Papa est sorcier. Maman est la seule sorcière de tout le pays. C'est pas grave. Ta maman honore. C'est comme ça. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir sauver les âmes. Eux aussi sont des âmes qu'on va sauver. Alléluia, c'est des âmes qu'on va sauver. Je pense que l'esprit de Dieu va faire son travail. Je ne mets dehors personne qui vient à moi. Alléluia. Donc, toute personne qui va venir, on ne va pas rejeter. C'est ça notre confiance. Notre prière, c'est de permettre à ce que, Seigneur, tous ceux-là qui sont partis sur le fond, nous collègues, les crises, les situations, tout ça là. Seigneur, ramène-les dans la vérité. Ramène-les dans la sincérité. Parce que on ne peut pas aller au Saint-Esprit. Si vous savez ce qu'on appelle l'enfer, c'est sérieux. Même tout le monde est là en enfer là. C'est pas amusant. Hein? En fait, c'est pour toujours, il ne va plus jamais sortir.
l'enfer, c'est pas un endroit où on peut sortir. Pour nous, nous pouvons pas aller au ciel ensemble. C'est pourquoi vous avez abandonné les mèches. Vous avez tout abandonné. Vous êtes furieux. Vous avez payé pour tout ça. Et quelques mois après, vous êtes encore parti en compte. Mais pourquoi vous avez quitté le monde? Pourquoi vous êtes venu alors? Pourquoi vous avez enlevé les mèches? Pourquoi? C'est aussi ça pour dire que Jésus est en train de revenir. Jésus est à la porte. La tombe peut sonner tout à l'heure. Même demain, la tombe peut sonner. Parce que tous les signes sont déjà accomplis. Alléluia. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore rechercher encore dans le monde pour m'investir autant. Non. Vous me regardez l'âge que vous avez. Non, honnêtement, regardez l'âge que vous avez. Et si on ajoute encore peut-être 5 ans, vous non, vos besoins vont changer, oui ou non? 10 ans, vos besoins vont changer. 20 ans, vos besoins vont changer. Vous n'avez plus les mêmes besoins là. Vos besoins vont changer maintenant, comment les mêmes pour la santé? Oh, pour la santé, c'est tout. Vous n'avez plus manger, de faire sortir, c'est ça votre problème. Donc tout ça, on va faire vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Donc, nous sommes venus pour vous donner encore du courage. Vous qui êtes resté. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qui s'est passé, vous dites, je ne pousse pas. Votre récompense est à part. Vous aurez la récompense des fidèles. Le Seigneur dit ceci. Ézéchiel 34. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Et vous, il dit mes brebis. Donc, ce sont mes propriétés. Alléluia. Mes propriétés. Vous m'appartenez, vous, mes brebis. Et vous, mes brebis. C'est le bon berger qui parle. Et vous, mes brebis. Voici. Je jugerai entre mes brebis. Entre brebis et brebis. Et entre bélier et bouc. Écoutez bien. Il dit, et vous, mes brebis, je jugerai comment? Entre brebis et brebis. Entre bélier et bouc. Il y a deux catégories ici de jugement. Il y a un jugement qui va se passer entre brebis et brebis. Un jugement entre bélier et bouc. Alléluia. Quand on dit je chante bélier, bélier dit quoi? Je vais apprécier vos œuvres, chaque bélier là, ce que vous avez fait là, je vais vous montrer ça. Je vais vous récompenser, je vais vous juger. C'est ce que ça veut dire. Je vais vous sanctionner. Tout ce que vous avez fait là, c'est maintenant que je vais vous donner maintenant la contrepartie de ce que vous avez fait. Vous, mes brebis, je vais juger. Mes brebis, toi, tu as fait quoi? Eh mes brebis, toi t'as fait quoi? C'est toi t'as fait quoi? Toi t'as fait quoi? Voilà t'as le coupon. C'est ça que vous jugez mes brebis. Brebis entre brebis. Brebis entre brebis. Quand on dit brebis, ça veut dire que c'est elles là qui sont obéissantes. Maintenant, il dit c'est pas fini.
Il y a encore dans le troupeau les béliers, les poules. Donc il y a trois types de bêtes. La première catégorie, c'est les brebis. Celles qui sont obéissantes, celles qui restent là. Là, on a dit de rester, reste. On dit de venir, tiens. Et ceux-là sont pour obéir. Il y a les béliers et il y a les poules. Maintenant, le berger a-t-il mis des béliers dans son troupeau? A-t-il mis des boucs dans son troupeau? Est-ce que Jésus a mis des béliers dans le troupeau? Quand on bâtissait l'église de Libreville, est-ce qu'on a mis des béliers dedans? Est-ce qu'on a mis des boucs dedans? Vous connaissez les béliers? Puis on les colle comme ça. Les colle pointues. Ça, c'est les béliers, ça. Les colle, c'est pointu. Et là, c'est pour percer, c'est pour percer, c'est pour détruire. C'est pour renverser. Les boucs, c'est eux qui ont des cornes. Qui ont des cornes arquées comme ça. Vous voyez? C'est comme ça. Et là, quel que soit ta gentillesse, ils vont te coller par derrière. Si vous devez tourner de ce côté, ils vont te renverser. Donc, ces deux catégories de bêtes dans le type, qui va les mettre à part, le jeu, c'est à part. Ceux qui détruisent, ceux qui vont prendre le poids de l'autre, pour raconter que l'autre va sentir une fête dans son cœur, on lui fait mal dans le cœur. Ça, c'est prévu. Ça, c'est prévu, ça. Ça, c'est béni. Il a percé le cœur. Par ses corps. Il dit, je vais juger. Le jugement ne va pas tarder. C'est pourquoi Pierre dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Donc, nous sommes à chacun selon son œuvre. Vous qui avez demeuré fidèle depuis le commencement. Parce que là, c'est ce que j'ai vu depuis. Quand j'ai venu ici la première fois en 2001, quand j'ai vu 2022, c'est ce que je vois encore. Ils sont là. Ils n'ont pas changé. Je les vois dans les images. Ils n'ont pas changé. Il y a d'autres visages aussi que je n'ai plus vus. Ils ont disparu. D'autres ne sont pas allés ouvrir l'église. Voyez. Vous voyez, vous pensez que l'Esprit de Dieu va travailler dans ça, dans la rébellion. Dans la rébellion. Le Seigneur vous a établi. Vous n'êtes pas mûr. Vous sortez, vous traînez et vous allez ouvrir le troupeau. Pour qui? Pour Christ. Pour Christ. Christ a été divisé. Jésus n'est pas divisé. Et ils ont trouvé des gens à leur succès. Je vous dis en vérité, vous voyez, la lumière va apparaître. La lumière de la vérité va apparaître. Et vous saurez si vous êtes de Dieu ou pas. Donc soyez fortifiés. Alléluia. Le message que je vous ai, c'est un message d'encouragement. Un message de persévérance. C'est ça la persévérance. Persévérer. Persévérer, il dit qu'il va arriver, tu vas vouloir abandonner. Il ne faut pas abandonner. C'est qui va aller là où on donne, on va te dire des choses terribles dans l'église, mais ça c'est église, ça. Oui, c'est église. C'est là. Alléluia. C'est malheureusement, c'est ce que beaucoup ont conçu de l'église. Ils ont une mauvaise vision de l'église. Pour eux, c'est que l'église, c'est là où il n'y a pas de problème. C'est là où tout le monde t'aime. C'est là où quand tu viens à l'église, tout le monde te sert, tout le monde te donne, tu cherches, te donne des bonnes places. C'est ce que les gens pensent. Oh, c'est fou. L'église, c'est pas ça. C'est l'église dont les gens rêvent, c'est l'église qui a aussi. C'est l'église qui sera dans les airs. Mais ici, la terre, là. Tant que cette église est connectée à la terre, vous ne verrez pas ça. Alléluia. Il n'y a pas ça. C'est pas dit supporter vous les uns, les autres. Parce que c'est bon, vous venir. Elle va mal parler à elle. Alors, c'est mon église. Elle est méchante. Moi, qu'est-ce que tu fais? Je suis pour supporter. Et ça. Le modèle, c'est Jésus. Il a donné ce modèle-là. Il a souffert. Les gens qui Jésus a nourri, les gens sont venus nous nourrir à la Sabbat. Le Jésus dit qu'il a soufflé. Toutes les gens nourris. Les gens qui étaient assurés de Jésus mangeaient et vivaient. Jésus les délivrait. Mais Jésus n'a pas dit, toi, pourquoi tu m'as fait ça, tu m'as trahi. Non, il n'a pas dit ça.
pas dit ça. Vous n'avez rien à vous cacher. Tu as quelque chose à cacher. Sur la terre, il n'y a rien à cacher. Ma vie, oh, je n'ai rien à cacher dans ma vie. Donc tu peux parler de moi n'importe où. Tu n'as rien à te cacher. Moi, je suis en moi de lumière. Donc tout ce qui est en moi de lumière. Quoi, tout ce qui est en moi. Je n'ai rien à te cacher. Tu parles bien de moi, oh. Tu parles mal de moi, oh. Je m'en fous. Amen. Mais vous aussi, quand les gens parlent de ces choses pour vous là, s'il vous plaît, que vos oreilles crochent ça. Alléluia. Parce que, en attendant ces choses, même si c'est vrai, ça ne finira pas à vous affecter vous aussi. Et ça ne finira pas à vous mettre vous au travail. Parce que l'oreille qui écoute la calomnie va donner à la bouche de transmettre la calomnie à rien. Le feu s'éteint. Si tu n'as pas écouté, l'autre n'a pas écouté, il n'a pas éteint. Ou bien, c'est comme ça. Pas les fontaines passées d'ailleurs. Si elle n'a pas ça, pardon, mon frère, tu viens aussi. La femme de passer un doigt, une bouche, un orange, ce n'est pas mon problème. J'espère de marcher ensemble. Laisse-moi tranquille. Alléluia. Donc, vraiment, le Seigneur l'a vu vos souffrances aussi. Si vous avez souffert pendant tout ce temps-là, est-ce que vous allez abandonner? Vous allez abandonner? Si vous avez écouté tout ce temps, vous avez souffert, c'est en l'air. Vous pouvez développer votre vie chrétienne à zéro encore. Bah, la plupart des gens qui sont partis ont repris leur vie à zéro. C'est ça le problème en fait, le danger. Tu reprends ta vie à zéro. Il y a des mouvements ici. Il y a un mouvement de prière de midi, un mouvement de prière de 0h. Tchao, ils sont dedans. Ils sont partout. Ils n'ont pas de berger. Ils prient partout, ils n'ont pas de berger. Alléluia. C'est malheureux.
tu es malheureux. Moi, je ne sais pas. Tu gagnes quoi? Dis-moi, tu gagnes quoi? La nuit, tu ne dors pas. Tu ne peux pas dormir. Le jour où tu t'as dit, tu as dans les réfléchis. Comment je fais du mal à l'autre? Comment je fais du mal? Tout le temps, c'est ça. Toi, tu ne poses même pas à ton bien-être.
Voilà, vraiment que le Seigneur te bénisse. Ça, j'ai suivi ça de près. J'ai vu un peu ce que chacun fait. Alléluia. Maintenant, les mamans là, je ne vais pas tout parler. Allez, on vous voit toujours. Amen. Maman Sarah, sois bénie. Sois bénie. Et les autres mamans, soyez aussi bénies. Les autres soeurs, soyez bénies. Les gens, soyez bénis. L'œuvre là, ce n'est pas pour pasteur Joseph. C'est pour Jésus. Vous comprenez? Parce que quand vous faisiez le kidnapping, il vous donne de l'argent. Il vous donne quelque chose. À la fin du mois, il vous donne quelque chose. Non, c'est Jésus. Donc travaillez pour Jésus. Il ne faut pas travailler pour pasteur Joseph. Il faut travailler pour Jésus. C'est Jésus qui est votre employeur, qui est votre boss de partout. C'est le boss des boss. Amen. J'ai le meilleur boss. Il faut répéter ça. J'ai le meilleur boss. Il faut répéter. J'ai le meilleur boss. T'as compris? Tu travailles pour quelqu'un, la personne te remet, te donne ton argent, ça ne te suffit pas. Quand tu prends l'argent, le premier, déjà, le 10, même là, tu commences à gauche, à droite. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me dépanner? Non. Jésus, là, quand il te donne, tu ne cherches pas à te dépanner. Ça te suffit. Amen. Amen. Et ça ne finit jamais. Le salaire ne finit jamais. Le salaire de l'autre mois n'est pas encore fini. Tu prends encore le salaire de ce mois, ça ne va pas encore finir. Tu vois? Donc tu es riche pour toujours. C'est mieux de travailler pour Jésus. Travaille avec ton cœur. Ne servez pas les gens. Alléluia. Quand vous venez à l'église, ne venez pas à l'église parce que les hommes vous veulent devenir. Non. Il y a une. Celui qui sait, celui qui a mis dans ça, qui travaille pour les hommes, il ne va pas venir. Tu ne vas pas venir. Parce qu'il va te donner des excuses à l'homme. Ah, tu sais qu'elle est plus longue. Tu sais que mon mari, il est méchant. Non? Tu sais que mes enfants, quelqu'un est malade. Non? Mais celui qui travaille pour Jésus, il sait qu'il vient pour pousser à l'heure, il sait que Jésus est le grand patron, il sait que Jésus est au-dessus de son mari, il sait que Jésus est au-dessus du président, il dit de venir à l'heure, il va venir. Même s'il pleut, il va porter à ce pour venir. C'est ça le cœur de Dieu. Il pleut, je sais que quand il pleut, comment les gens sont prêts pour aller au travail. Ils courent même, ils ont même peur. Parce qu'ils voient qu'ils sont en retard. On va les faire une mise en demeure. Mais quand ils essayent de venir à l'église en retard, ça les dit. Ils prennent tout le temps. Et ils ne disent pas après l'année, on est en retard. C'est qu'ils les aiment. T'as dit là, non. Et quand ils sont disés, c'est maintenant qu'on ne peut pas faire les pas. Acheter des tasses. Vous visez à 11 h 20. Ça, c'est les chrétiens, les enfants de Dieu qui peuvent faire ça. Et pour vos patrons, vous êtes bien sûr à vous depuis 6 heures, 7 heures. Parce que vous ne supportez pas le temps. S'il pleut, même vous ne cherchez pas la pluie, vous cherchez une pas dessus. Mais pour ça, il est dit, non, on ne fait pas ça. On vient quand on veut. C'est vous, c'est Jésus. C'est Jésus après tout. On peut manquer, mais pourtant vous venez. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Parce que tu sais que ton patron n'aime pas le temps. Faut venir à l'heure. À l'heure qui est là. Tu fais ton travail qui est là en train d'intercéder. C'est ça. Faites-le. Ne sois pas fatigué. Ne cherchez pas à être acclamé par les hommes. Allez bien. Les hommes ne peuvent rien pour vous. La même personne qui t'a dit que c'est très bon, demain te dit que c'est mauvais. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Jésus ne peut jamais te dire ça. Si va te dire ça, jamais. Voilà Jésus. Donc, vraiment que le Seigneur nous donne toujours cette volonté de le servir jusqu'à la fin. Parce que le plus grand objectif à atteindre, c'est pendant combien de temps on va marcher ensemble. Pendant combien de temps on va marcher ensemble. Est-ce qu'on va finir cette année ensemble dans la marche? Est-ce qu'on va finir l'année prochaine dans la marche ensemble? Est-ce qu'on va rester jusqu'au retour de Jésus? C'est ça la question. Beaucoup ont commencé. Beaucoup ont chanté. Le réveil a lieu. Beaucoup ont chanté ça. Beaucoup ont chanté ça. Mais je sais de l'histoire. Moi aussi, j'avais fait le moment où j'étais dans le réveil. Vraiment, je suis béni d'être là parmi vous.
Je sais que tous les jours que nous allons passer ici, c'est pour travailler pour le Seigneur. Amen. Nous avons mouillé le maillot pour le Seigneur parce que nous sommes là pour ça. Nos chairs seront servies pour l'œuvre. Nos nuits, nos sommeils seront consacrés pour l'œuvre. Nous n'avons plus rien à faire sur cette terre. Le repos n'est pas ici. Amen. La nourriture n'est pas ici. La nourriture, c'est au ciel. Le repos, c'est au ciel. Même s'il pleut, on va travailler pour le Seigneur Jésus. C'est mieux que je meure avec les armes en main. C'est simplement mon soldat. Amen. Nous allons tenir debout. Yeah.
Que l'ennemi va mettre en place en utilisant les hommes,
en utilisant les institutions, en utilisant les lois pour nous empêcher que ce programme soit un succès. Tu vas t'élever. La Bible dit, je t'ai établi pour abattre, pour renverser. Nous allons renverser toutes ces barrières. Prie au nom de Jésus. Prie. Toutes barrières élevées de ce programme. Seigneur, nous renversons ces ponts. Nous renversons ces barrières. Nous renversons toutes les barrières. Flèche dans les pensées pour troubler les pensées. Nous allons prier.
Thank you.
personne. Qu'ils soient montés maintenant. Qu'ils soient montés maintenant. Que les empêchements soient montés maintenant. Soient montés maintenant.
sang au bleu. Que le père taille au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie pour le père. Que le père descende. Pas tous les démons. Les démons de Dieu. Les esprits de choc. Enfin, que ça nous fait. Qui sont taillés au nom de Jésus. Qui sont taillés au nom de Jésus. Leur chef tombera en pourriture.
tandis qu'ils seront sur le pied. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur sommeil, et leur tombera en pourriture dans leur bouche. Alléluia. Il dit, celui qui va combattre se pourra, que sa chair va pourrir, que ses yeux vont pourrir, les yeux de sorcellerie vont pourrir. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout œil de sorcellerie, tout œil de sorcellerie, dans ce programme, j'entends sa pourriture, j'entends sa pourriture, qu'il pourrisse tous les œufs de sorcellerie, que la situation tout seul échappe, que la situation
Seigneur, où elle est de ta puissance? Où elle est de ton feu? Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, le feu est dans le feu. Où elle est de feu? Où elle est de puissance? Où elle est de puissance? Où elle est de feu? Qui soit dans le feu? Qui soit dans la puissance? Le feu de cette âme. Qui soit plus à ma guérison? 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 Seigneur, remplis. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas passer ta bonne dernière requête. Tu vas prier dans le demander la révélation du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur nous révèle tout ce qui est caché. Que le Seigneur nous révèle tous les plans de l'ennemi. Tout ce qui va faire qu'on se prenne que le Saint-Esprit de Dieu qui révèle toutes choses. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toi le Dieu de Daniel, toi le Dieu de Joseph, révèle toutes choses, Seigneur. Révèle toutes choses, tout ce qui se cache. Oh, que l'ennemi coule contre nous. Seigneur, révèle tous les problèmes de l'ennemi. Révèle tous les projets de l'ennemi qu'on se prenne. Seigneur, te prie de nous révéler toutes choses. Révèle-nous ta volonté, Seigneur. Révèle-nous ta volonté, Seigneur. Révèle-nous ta volonté, Seigneur. Oh, Seigneur, révèle-nous ta volonté. Seigneur, sois exposé. Sois exposé. La vie est Dieu. Et je te répondrai. Seigneur, nous t'appelons ce moment. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur Jésus. Réponds-nous, Seigneur. Seigneur, montre-nous tout ce qui se cache. Tout ce qui faut. Dans les forêts, tout ce qu'il faut, dans la mer, tout ce qu'il faut, dans la sorcellerie, tout ce qu'il faut, dans les loges. Seigneur, révèle, 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 ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les oreilles, Seigneur. Seigneur, transporte-moi l'esprit pour voir tout ce qui se parle contre ton église, contre tes serviteurs. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier, nous allons recommander le programme de demain. Le programme qui va démarrer demain. Que le Seigneur prenne le contrôle. Que le Seigneur soit au-dessus de toutes choses. Qu'il soit l'alpha, qu'il soit le méga de ce programme. Prions au nom de Jésus. Père, vous me verrez, Papa. Tu es l'alpha, tu es le méga. Le programme qui va démarrer demain. Le programme des jeunes. Le programme de réveil. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur Jésus. Papa, te prions. Seigneur, que ce programme. Oh Seigneur, je n'ai pas de vie. Que ce programme touche les vies. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Que ce programme, tu sois au devant. Conduis ce programme. Ce que tu démarres, tu l'achèves. Ce que tu fais, n'échoue jamais, Seigneur. Que ce programme tourne de succès. Que les bébés qui se sortent, Seigneur, qu'elles viennent. Quels que soient les empêchements, Seigneur Jésus, ouvre le chemin. Qu'elles viennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Un chant de victoire. Un chant de victoire. Un chant de victoire. Acclame le Seigneur. Sois acclame le Seigneur. Sois acclame le Seigneur. Sois acclame le Seigneur. Nous avons donné un chant de victoire. Aleluia, Jesus.
l'histoire et la fin, le Saint des Saints, le Dieu d'Israël, toi qui n'abandonnes jamais, toi qui as livré les avoirs pour qu'elles fassent des changements, et je vous donne le nom. Toi le ressuscité, gloire à ton nom, Seigneur. Honneur, louange, majesté à toi, Père des cieux. Seigneur Jésus, Papa, voici le programme que nous ouvrons. Ce soir, nous avons intercédé. Nous avons porté le prière de ton trône, Père. Et nous sommes convaincus. Nous avons la foi que tu nous as exaucés. Que tu nous écoutes toujours. Père, toutes les requêtes que nous avons adressées ce soir, Père, nous prions de les exaucer au nom de Jésus. Seigneur Jésus, vois la menace du méchant. Vois la menace des ténèbres et sauve l'Église. Sauve tes enfants. Sauve-les, Seigneur Jésus. Se réveille, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, on va toucher les vies. Se réveille, va impacter les vies. C'est pourquoi je prie, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a mis en place pour empêcher tes bénis de retrouver le chemin de l'humain. Je prie, Père, que tout soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton esprit ce soir. Envoie ton esprit dans la maison. Envoie ton esprit dans la maison, Seigneur. Rencontre tes enfants. Seigneur, révèle-toi à tes enfants. Tous ceux qui sont à la maison. Tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, les papas. Pendant ce programme que pour nous, ceux qui doutaient de toi, ceux qui ne croyaient pas en toi, Seigneur. Oh, qu'ils aient la conviction que tu es là. Qu'ils aient la conviction que tu es le Dieu qui ressuscite. Le Dieu qui sauve, Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'espérance de ton retour. Papa, nous attendons. Oh, ton retour avec foi. Papa, nous ne voulons pas rater dans les points. C'est pourquoi nous avons accepté de nous débarrasser des gens du monde et de venir à cette lumière. Alors, Père, te prions de nous soutenir, Seigneur. Soutiens notre foi. Oh, le Dieu de Jacob, soutiens-nous dans la faiblesse. Soutiens-nous quand nous perdons la foi, Seigneur. Papa, te prions. Tous ceux que l'ennemi va équiper pour venir combattre ce programme, Seigneur, désarmés. Et qu'eux ne soient convaincus. Qu'ils soient pour toi, Seigneur. Tel que tu as rencontré Saul. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu les croises aussi. Que tu croises tous les sorciers qui vont venir. Oh, pour t'amener ce programme. Que tu les croises. Qui donne la vie à Jésus. Qui donne la vie à Jésus. Seigneur, que ce programme, nous voulons voir des miracles. Nous voulons des paradis marcher. Nous voulons voir des sourds entendre. Nous voulons voir des aveugles voir. Nous voulons voir des morts ressuscités. Nous voulons voir des maladies guéries. Nous voulons voir des démoniaques libérés. Seigneur, nous voulons voir ton esprit descendre. Oh, que la pluie de la Pentecôte descende dans ce programme. Que l'esprit soit relâché. Que le Saint-Esprit soit relâché. Que le feu divin descende dans ce programme. Pour accompagner ce programme. Seigneur, ce programme ne va pas être conduit par la chair. Que nous bannissons les œufs de la chair. Nous bannissons les œufs de la chair. Nous bannissons les œufs de la chair. Oh Saint-Esprit, prends tout. 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 Que ce soit ceux qui vont intercéder. Que ce soit ceux qui vont chanter. Que ce soit ceux qui vont ranger les chaises. Que ce soit ceux qui vont conduire les prières. Que ce soit ceux qui vont conduire les prédications. Qu'ils soient remplis du feu. Qu'ils soient remplis du feu. Qu'ils soient embrasés du feu. Qu'ils soient impénétrables. Seigneur Jésus. Étant une miraille de feu autour de tes serviteurs, étant une miraille de feu autour de tes servantes, toutes flèches que l'on va envoyer contre les dieux, que la flèche se retourne contre le nom de Jésus, que la flèche se retourne contre le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te confions notre retour. Cette nuit, nous te prions de nous visiter encore. Nous te prions, Papa, de nous révéler encore ta volonté. Seigneur Jésus, ceux-là qui vont prendre le chemin, oh, en voiture, ceux-là qui vont prendre le chemin à pied, oh, je te prie, Papa. Sois avec eux. Protège les Seigneurs. Que tes anges les accompagnent. Que leur maison soit remplie de ta présence. Que leur maison soit remplie de ton feu, Seigneur. Les esprits méchants qui les visitent aujourd'hui, Seigneur, qui rencontrent les peu de feu, qui rencontrent les anges, qui rencontrent les chérubins. Oh mon Dieu, mon roi, qui ne trouve plus jamais de bon accès à leur vie. Seigneur, fais-toi rentrer dans les cœurs. Seigneur, libère les cœurs déjà les vies qui sont chargées. Oh, des situations d'angoisse, les vies qui sont chargées, des situations de maladie, Seigneur, décharge, et guéris ton peuple, Seigneur, dans ta main, et protège chacun de nous, que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce soir, c'est une rencontre, une prise de contact.
Voilà. Ça t'a permis au moins de savoir que oui, les gens ont reçu le communiqué. Et ça nous a aussi permis de présenter le programme. Donc, nous qui sommes là ce soir, le Seigneur nous charge d'alerter les autres frères, les autres sœurs qui traînent encore les pas. Il faut leur dire, viens et vois. Amen. Viens et vois, parce que Jésus a un rendez-vous pour toi. Dites-les, invitez-les, les malades, amenez-les au programme. Tous ceux qui sont des situations, amenez-les au programme. L'homme de Galilée qui n'a jamais changé, il va les toucher. Celui qui pouvait toucher Bartimée, il va les toucher. Celui qui pouvait guérir les lépreux, il va les toucher. Celui qui a poussé Lazare entre les morts, il va ressusciter leur vie. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur donne toujours la force d'être toujours au programme. Donc demain, le jeûne va commencer. Alléluia, c'est le jeûne approuvé. Nous allons donner plus de détails. Alléluia. Donc soyez vraiment connectés. Marie Jésus. Suivez aussi la chaîne parce qu'il y a un domicile qui commence à être sur la chaîne. Amen. En tout cas, s'il y a quelque chose, vous serez davantage informé. Vous qui nous suivez, vous attendez quoi pour venir? Nous avons déjà commencé les bonnes choses. Alléluia, ne venez pas qu'on vous raconte ce qui se passe. Amen. Soyez au cœur des choses, que les choses ne vous échappent pas. Amen. Recevez la paix de notre Seigneur Jésus, sa grâce et sa bénédiction vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen.